La famille de Gérald Darmanin a, ces dernières années, été mêlée à différentes affaires judiciaires. Preuve en est, ce mardi 28 mars, lorsque nos confrères de RTL ont dévoilé que la nièce du ministre de l'Intérieur a été placée en garde à vue. Pour rappel, la jeune femme est actuellement soupçonnée d'avoir demandé des informations confidentielles sur son entourage à son ex-compagnon, un adjudant de police. Seulement, ce n'est pas la seule mésaventure qui a touché la famille Darmanin. En effet, dans l'ouvrage Gérald Darmanin, le baron noir du président, les journalistes Laure Valdiguier et François Vignol avaient livré quelques rares informations concernant la mort du neveu de Gérald Darmanin, Boris. En octobre 1993, le neveu du ministre Garçon a été tué par son père, qui s'est ensuite suicidé. Une tragédie qui a marqué l'homme politique à tout jamais. Pour cause, lors des faits, l'actuel ministre n'avait seulement que 10 ans. Pourtant, rares ont été les prises de parole du ministre à ce sujet. La dernière en date remonte au mois de février dernier où Gérald Darmanin avait timidement partagé quelques confidences sur le sujet. Ma sœur était divorcée. Sans doute, on dirait aujourd'hui qu'elle était victime de violences conjugales, ce qui est tout à fait vrai. Elle était frappée par mon beau-frère, avait-il raconté durant son passage dans Focus Dimanche, sur RTL. Un drame ignoble pour ce dernier qui l'a alors encouragé à se lancer dans la politique afin de protéger les autres. Supérieur à Gérald Darmanin, François Hollande. C'est politique dont la vie privée a été chamboulée en 2022. Gérald Darmanin, cette décision drastique prise par son père toujours sur les ondes de RTL, en février dernier, Gérald Darmanin avait partagé d'amples souvenirs sur cette journée qui a véritablement bouleversé sa vie ainsi que celle des membres de sa famille. Si est-il évidemment quelque chose qui a profondément touché ma famille, avait-il reconnu. Notamment celle de son père, Gérard Darmanin qui, d'après les révélations des journalistes Laure Valdiguier et François Vignol dans leur ouvrage avait, suite à ce drame, déscolarisé son fils Gérald pendant 5 mois. Une décision drastique qui a été prise par son père probablement par peur qu'une telle tragédie se reproduise à nouveau. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Bye.